Finissait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018 lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter, puis à une semaine des exemples, on accepte la machine à voter, c'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier, et personne ne nous empêchera de le faire. Le Congo Live Télévision, le Tukuta Nisus Nabino Namukulo Lelo, parce que Lelo Oyo, Makala et Zoningana Lelo, parce que Moni était Sengeli était Poutouloué, Matamakale et Tikala, parce que si il y a opposition, Lelo Namukulo Lelo, est-ce que Sali encore, et bouger encore, communauté internationale, et bouger Mbokamo Bimatoué, Bango, parce que Lelo Oyo Ndezalaki, Oyo na opposition, et Ido Pes Banako Benga Jedi Saint. Les lots où il y a des propositions, il y a des super idées à Jedi Saint, il y a comme adapter un mot dans mon couloir. Les lots déjà, il y a un mot, il y a le bien été. Il y a continuer toujours à Jedi Saint pour que je un peu booster jusqu'à ce que la légitimité soit en train de se faire. Tu as un mot, tu Lelo oyo situation ya mboka na biso surtout fond oyo ezala ki dekesse pona ba sinistre nyonso ya ba 100 kusu $500,000 et ke yuapi nani azali na mbongo yango mbongo ezala ki dekesse me komi na maboko ya bato te ba destinataire ba zimbongo na bango te alors nani azui mbongo ya fond ya ba 100 kusu ya ba sinistre tokoyeba yango na kati ya emission ya lelo bongo tolobela sous situation sécuritaire ya mboka na biso lolenge kani bande Nyonsoyo, Tobengaka, Bambo, Lelo, Bambo, Basali, désordre et Makassi, la partie est et Mboka Nabiso, Nyonsoana, Tourmeka, un peu quoi, Baba vérité, Nakatia, émission Nabiso. Voilà, Nazaline, c'est moi, maman, Mboka, le président Marcel et le monnaie, tout partager, bas sujet Nyonsoyo, tout énoncé, Nakatia, émission Nabiso, Bongo, Bisopé, Nakongo Live Télévision, tout brandir, ba vérité, Obiso, Nango, pour que Bino, Bana Kongo, Nyonsobo, et ba situation d'Alikole, Kanakatia, République démocratique du Congo, mon Mboka, Marcel Motenayo. Mbote, messieurs les journalistes. Namandi était Namokula Lelo Toko Betali Solo et Ali sitting ya opposition Lelo Nakati ya ville province ya Kinshasa na Ngambokuna ya Seni et Boni Basango ya sitting ya opposition. Bon, moi je pense que opposition na na lobara chaque fois baza en mal ya stratégie parce que Lelo tout ce qu'il sait ba luka ba sala wana donc ils ont au sans objet parce que je pense que l'opposition bazo réclamer nini. Parce que le leader opposition va s'enrouler. Le leader opposition va tindi va déléguer d'abord dans la CENI. Maintenant, va réclamer nini par rapport à sitting. On va comprendre que derrière la sitting, on a tout yébi. On a battu, on va manipuler, on va pousser l'opposition. Ah, mais là, on peut que ça, on va faire que le gouvernement en place va ternir l'image du gouvernement en place. Et heureusement, la tacte, la stratégie, on a, je pense, toujours maîtrisé en haut malamo. Parce que d'abord, il faut voir d'abord que la CENI est considérée parmi les zones neutres. Où jamais elle est la violer. Et puis, on va attaquer le leader. En son temps aussi, l'IDPS, tout le temps, qui est un peu pour le violer, zone neutre, on a la CENI. Mais, et si on va parce qu'il va faire comprendre que non, si tu as la CENI, elle a permis.
yango moni biso IDPS to banda toujours iko sala yango a partir limité toujours mata. Moi je pense que Ceni a outi ko sala journée porte ouverte oya benga ki ba partie prenante nyonso na kati élection na biso ba ya ko pesa si il y aurait ba revendication na bango avec les experts d'ailleurs na bango ba ya batala si réellement ki non fichier électoral wana. Il y a eu des doublons, il y a eu des fictifs, tout comme ça. Mais l'opposition, en tout cas, il y a eu des doublons parmi les jours de la porte ouverte. Lélo, alors ça, la sitting, soi-disant, a déposé mémo. Dans le mémo, il n'y a pas de carte, il y a mémo. Parce que, bah, personne qui a eu l'occasion de s'exprimer, dans la carte, besoin de temps, il y a que checker même le fichier dans le serveur central. Bon, checker fichier électoral. Mais l'opposition n'a pas répondu présente. Alors, Lélo, il y a eu l'opposition de la sitting. Pour quelle raison? Pour quelle finalité? C'est une bosse à la wana. Tu comprendras que derrière le Kotouana, l'opposition a eu une injonction par leur maître. Il y a pour pousser le gouvernement en place na faute pour justifier Bouzo Banabango. Moi, je pense que pour Nangaï, c'est une alélo et c'est la raison d'être na yangote. Parce que bazwa ki chance ba pesa ki bango ba ko la ki sa ba revendication na bango parce que ça la yangote. On comprendre que l'opposition bazana na besoin ba élection té. Parce qu'il va penser que Tshisekedi, Azali Kabila, ouais, que Luka Benga Bango venez, nous allons négocier, toquer la négociation, toquer la dialogue. Bah, que Tshisekedi a dit tenance. Avec ces Bango, nous irons aux élections. Bah, mon que le trait des élections est en marche. Bah, mon qui va prêter l'opposition. Bah, lui, qu'on conseille, bah, faux fouillant pour le distraire, bah, tout, bah, c'est la diversion. Bah, il dit qu'il va en prêter aucune élection, pour que ce soit, bah, qu'il y ait élection, bah, qu'on échoue. Voilà, Lelo est commis, mon message, parce que Tolandi, Lolenge Kan est le président élu, Nengami Benga, Martin Fayulu. Alors, bien été, et comme mon message, chaque jeudi, sitting na Ceni, est-ce que les alliés peuvent nous paralyser ville, province et Kinshasa? Bah, paralyser ville avec quels militants? C'est ça le problème. Est-ce que Fayulu a combien de militants va paralyser ville? Moïse Katumbi n'a qui ni a combien de militants? Deli Sessang a combien de militants? Emata Tampoune. Ce sont des gens, Bazo Lukande va tirer sympathie. Il y a quelques batou, n'a pas justifié, Bambongo Bazo, il va impérialiste, Oyo, va pessi, va pouvoir semer Kao na Katamboka. Malheureusement, va courater pour la Nili, Bazana va militant Oyo, va rosala actif, non seulement à Marambouanate. Parce que le domaine nous a déjà réservé dans Bangote. Bah, il n'y a pas de salaire. Lorsque l'idée peut se paralyser la ville, il y a une stratégie où on va mettre en place, une tactique où on va mettre en place pour paralyser la ville afin que le gouvernement touche à Kabila. Mais avec tous ces gens-là, où on a été jadis dans le pouvoir, dans le mangeoir, il y a une tactique où on a été en opposition. Mais il y a une applicabilité, c'est ça le problème. Dans le pays, c'est bien qu'on l'a. Et je mets mon message. Mais réellement, je vais appliquer à tout le monde. Puis, nani y a un militant à Bango, à Kokabilo Kowana. Je pense que l'opposition, dans tout le monde, basé en cours de stratégie, leur stratégie, de suite comprendre, va mettre en avant, va penser qu'il va s'aimer Kaona Kataville à Kinshasa pour na épée sa force, va justifier plan à Bango, Katina Congo. Parce qu'il va mettre premier plan, il va créer insécurité à travers la marche na Bango et s'imiter. Allez, mais si cette fois-ci avec des sit-ins. Or, la CENI a pensé une possibilité nyonso. Il y a dans la journée porte ouverte, il y a une revendication dans Bango, na kata kata CENI. Il y a une sit-in. Il y a une cette opposition. Il y a une certaine opinion. Il y a une inconscient. Parce que ce que l'opposition cherche, c'est qu'il y a une négociation. Malheureusement, le pouvoir déjà a compris ce jeu. À MCA Bango, il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de dialogue. Toqué aux élections. Tellement que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections, il y a un peu de faux fuyant, il y a un peu de faux. Et puis, le pouvoir en place, connaissant la table, c'est la stratégie, il y a concédé à un côté. Voilà, l'opposition n'a pas encore gagné parce que les oyo tu es bilolé ni kani Sphinx a d'ailleurs commencé opposition il dépasse l'olé kani bah combattait il dépasse bah ça tellement ébélé et motivé. Est-ce que les alités y a nous alités la décadence na côté y a opposition les oyo les alités na il dépasse bah militant basali est belé mais na on a une opposition à l'élo bah militant basali mouki. Est-ce qu'il y a un autre militant qui la décadence na kati ya situation ya politique ya mboka na biso? C'est ce que je vous dis. D'abord les militaires bah combattants et DPS bah on doit croire à une vision, c'est ça la différence. Alors cette vision on doit ça la qui base à la motivation ya l'élo ko ba osala
Mais de l'autre côté, tous ces soi-disant militants Mike Wana, baza motivés par l'argent. C'est ça le problème. Parce que les Oyo, ils vont se fatiguer. Il y a un peu ça mongo. Je pense au monaki ba image, ça viral dans les réseaux sociaux. Tant que Moïse Katumbi a kenda qui na côté à nini ya ba ben ngoni côté ya Selimbao, je crois là, les quartiers méchants, il y a quand Luka. Ba pesa bango ba 20 dollars pour ba répondre présent dans ma marche na bango. Et cette population a contré wana. Bah, l'équipe bah, de bah, réseaux sociaux, bah, non, bah, 20 dollars, bah, c'est bah, Moïse Yango, bah, drapelé, bah, effigie, y a ensemble, n'a pas polo. Parce que ces peuples-là n'est plus dupes. Oh, ils ont manipulé à court d'argent. Yango, il y a l'autre, il y a tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils justifient Mbongo. Il y a un impérialiste, bah, Pessi Bango, pour semer les chaos dans la ville de Kinshasa. Parce qu'ils ont compris qu'avec la stratégie à M23, ils réussissent au Kouessa Goma pour contraindre le gouvernement congolais à négocier. Maintenant, une manière aussi pour eux, ils ont paralysé la ville pour contraindre le gouvernement en place. Ils ont créé chaos. Ils ont mis les lots, ils ont mis les lots, ils ont mis les lots. Mais ils ont mis avec quelle motivation un peuple? C'est le problème. Parce que le peuple congolais n'est plus libre. Parce que le peuple congolais a l'unanimité basé derrière le gouvernement congolais. Alors, tous ces jeunes gens au somba moyenant l'argent wana, ils vont se fatiguer. Pour bien y ngoté, obengelo bi se fatiguer. Mais biso toi qui motivé par rapport parce que nous croyons, tu vas dire croire à une vision, tu vas dire croire à la vision des sphinx délimitées, et manière que motivé biso tout na balabala. Mais malheureusement ba militaire na bango wana, la minorité wana au bonanda à coup des billets verts, ba se fatiguer. Voilà. Et ça le problème. Ba se fatiguer, voilà un peu situation na quatre République démocratique du Congo surtout. Na ville province ya Kinshasa et pa yapi opposition c'est les sitting na ye malgré tout ezalaki étouffé ba komi na kati ya sénité mais ba souki ne bongo esika oyo na BCDC pour que sengela yiba koma mais la police ya kangi bango place wana ba comité et ba sali communication ba lobi ete chaque jeudi sitting na seni et comme le voilà j'ai dit c'est na tango ya IDPS lelo est-ce que lelo oyo ba stratégie menée par l'IDPS oyo pe mokope Martin Fayulu les arrivé na kati ya IDPS quand même lelo oyo et ali quand même ba stratégie ali ko utiliser pour car amener opposition vers une victoire. Martin Fayulu n'a jamais été à l'IDPS. Martin Fayulu baya na ye et pas Félix Tshisekedi parce que bande ko nda Félix na sima mais ko nda Félix na sima elingo lo baté que non. On a mis la taxe dans la stratégie de l'IDPS. Vous comprenez? C'est l'IDPS qui a façonné Fayulu. Fayulu n'a jamais été opposant. En 2006, tout ça, on a une histoire. Il a facilité qui mouta comme gouverneur, c'est Martin Fayulu. À quand comme qui opposant? En 2011, il s'est réclamé chez Tshisekediste. Les sphinx a pèsé mot d'ordre. Aucun député a siégé pour légitimer ses pouvoirs. Fayulu a kota liambon. Il n'a jamais été Tshisekedi, c'est Fayulu. Moutoyana, c'est Félix Tshisekedi, il y a rassemblement. Vous comprenez? Mais parlant maintenant de tact, mais au moment où Fayulu, avec les forêts, il y a un mort combien de fois il réussit dans le monde. Papa, Fayulu n'a pas comité. Il a élisé ça dans le monde. Il n'a pas comité. Vous comprenez? Parce que carrière de Tshisekedi, il faut attendre après 50 ans que a lobby ville morte au moins toute l'étendue de la République est paralysée. Papa, il faut attendre après 50 ans. Fayulu a kokaya ngote. Amekati on attend bauti poto ba awa. Ville morte, même sa femme abima. Même ses affaires abima. Mais pour vous dire que Fayulu n'a comme na carrière ba Tshisekedi. Donc comprendre, tant que je non, et comme il habitait de chaque génie, bon, c'est pour justifier leur argent. Il va se retrouver lui, Katumbi, Délice Sanga et Maset Ampogno. Parce que quel peuple a Rolanda Bango? Une opposition sans vision. Bah, la vision t'es. Quelle est la vision opposition? Quelle est la vision de l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, Bazali, on a pour accompagner les chefs de l'État. L'Union Sacrée en soi, d'elle-même, elle n'a pas une vision. La vision de Tshisekedi n'a benga ki bango ba considérer la vision na ye ou ko mettre l'homme au centre de ses actions. C'est ça la vision, vous comprenez? Parce que la vision Union Sacrée, ça il y a une vision ya Tshisekedi et l'IDPS, c'est ça o ezali ya social démocratie, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de ses actions. Yango ni Tshisekedi a ko appliquer yango na gouvernance na ye partout au monde o ba foyer ba tension ezali ki na kati ya ba entreprise
à améliorer la condition de travailler. C'est ça la vision de l'IDPS, la social-démocratie. Mettre l'homme au centre de vos actions. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour l'intérêt de l'homme. C'est ça la vision de l'IDPS. Mais il y a mis ça dans cette opposition, la fameuse opposition, bah, on a vision pour le Congo. Et c'est le problème. Parce que tous ces gens-là, bah, qui n'ont mangeoire, en commençant par Katumbi, 12 ans comme gouverneur, il y a Katanga, même à 1000 km, à 20 km, il y a route, parce qu'il y a un retournaté. Katumbi, na Katanga, à Romain, il y a un brique. Et Moutoua Boye, tout le monde a topé, c'est Congo. A comme le donneur de leçons. Matata qui a dirigé ce pays comme premier ministre, c'est lui qui est devenu donneur de leçons, Lelo. Deli Sesanga, qui a le sang des Congolais entre ses mains. Asima Minouki, a comme donneur de leçons. Va comprendre que non, ce temps-là est déjà révolu. Les peuples congolais les plus deep pour repérer sa crédit à n'importe qui. Parce que tu sais qu'il dit, Lelo Oyo, peuple a pété confiance, et ça Lelo T. Par rapport à combat au IDPS maintenant pendant 37 ans, il y a un peuple qui a fait l'IDPS confiance, si l'IDPS est comme un pouvoir. Mais il y a un peuple qui a fait Martin Fayoulou confiance par rapport à quoi? Quand un leader y a, qui se dit leader, a zotin de ma manifestant, ba le kota ma banga, ba policier. Qui c'est un leader? Fayoulou. Je crois que vous avez vu ces images. Et ça qui est viral dans les réseaux sociaux. Mais ce qui la police, lelo, la police a traqué Batou, a concentré Batou, a gagné le côté qui a défendu le juge naturel. Mais la police a été en agression, a été en train. Est-ce que les alliés paradoxes, c'est quand même ce qui est mon amour par rapport à la situation et que n'y a pas de Batou, ça la bongo. Les alliés paradoxes, c'est mon amour. Nous condamnons d'abord les actes posés par la police. Voilà la différence, il y a régime, il y a Kabila Tshisekedi. Tous ces policiers, au bas commettre qui va bavir ouana, bas ont répondre devant la justice. Et c'est la différence. Mais ils ont continué. Il y a tout le monde qui a envoyé sous la citine. Il y a les autres. Donc, net, ils ont maladie déjà contre la carte à la police. Non, nous, sur les bacanis moto, il faut pas mettre à caca moto. Nous devons faire la part des choses. Au lieu de concentrer moto, bah que aussi qu'être devant juge naturel, naïe moi. Nous devons faire la part des choses. Même en Europe, bah mettre à rabattre. Je crois autant en France, bah gilet jaune, bah mettre à main par les policiers français. Ce n'est pas seulement au Congo. Les policiers, c'est un homme. Il a aussi ses sentiments et ses émotions. Tant qu'ils ont agressé au bêtier, soit ça la maîtrise de ça. Il va répliquer. Aux États-Unis, les policiers tuent. Donc, parce que ça qui va bavre, c'est la marque au Congo. Même dans des pays avec une démocratie, c'est la marque. On a vu avec des gilets jaunes, les gens être tabassés, bêta, français, par les policiers. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais nos policiers, toujours encouragés, actuellement. Mais dis-moi, ton dis-moi, Lelo, avec nos policiers, il y a quand même une nette amélioration par leur façon de faire les choses. Lelo Tomoni marche, salami, aucun mort au Congo. En son temps, il ne peut se perdre de combien de batons marche avec Kabila, avec Mobutu. Mais Lelo, toujours qu'à partir à Mabete, nous devons aussi encourager ces policiers. Oh, bon, ça, malam, Lelo, policiers, nous soyons bi, son acquis, pour encadrer une marche, peu importe le débordement, je ne suis pas obligé. Il y a qu'à utiliser l'arme à fait pour tuer les paisibles citoyens. Tous les policiers sont là. Les preuves sont là. Tous ces policiers, qui a 12 ans, les gens vont répondre devant leur juge naturel, aux alliés, les cours militaires. C'est encouragé. Mais ce n'est pas à vous, un leader qui prétend diriger le Congo demain, il y a qu'à tindre les manifestants, le côté de ma banga, mettre les policiers. C'est grave. C'est grave. Si Lelo Fayoulou se réclame leader, je suis désolé de le dire, il n'est pas leader. Parce qu'un leader, il faut avoir d'abord des nerfs solides. Parce que au coup, tu as un oyo et c'est un sur la nerf solide, tu es au craqué. Si Lelo Tshisekedi le père, avoir des nerfs solides parce que aujourd'hui on perd cette énergie pour nous soit disant qu'aider le peuple aujourd'hui estimer que il faut aider ben, par rapport à ta vision. Mais tant qu'un leader Lelo, vous demandez aux gens, aux manifestants de prendre les pierres, des projectiles, qu'on bête ma policier, c'est très grave. Et puis l'anda mensonge à l'opposition comme d'habitude. L'opposition a aussi c'est ça qui mensonge, le kouta. Vous comprenez? Il a été démontré noir sur blanc, il y a dit mensonge. Puis bah, on a point de presse. Bah, la qui s'y peut, elle va mettre sur la arme. Il a dit mensonge. C'est ça l'opposition. Fayoulou a un élo pour apprendre à bisouter. Parce que d'abord, Ayebe est le côté de l'opposition. Il a été coopté
par Félix Tshisekedi lorsque Tokendaki na makambo ya ya rassemblement. Du reste, il n'est pas opposant. Il a été avec Kabila en 2006. Tous ces mondes là, ils ont dirigé avec Kabila. Bana ba donner des leçons. Bazoko ça une petite opinion au bazar ben inconscient wana à coup de billets verts bazo landa bango. Mais du reste, ils sont tout sauf des opposants. Voilà, ils sont tous sauf des opposants. Situation d'ali collègues dans la République démocratique du Congo, d'ali comme ça la passe parce que le lobe congolais, bazali na posé comme on a émergence ya mboka oyo, bazali na posé comme on a développement ya mboka oyo, un pays où il fait beau à vivre oyo congolais nous soit azali na mesure ya kolia lipa na kimia, ya kolia mwa matembele na kimia et puis ya kosomba ezala dongo dongo, ezala masangu, ezala fufu a somba yango na prio et koki na mosolo azali na yango to na posé émergence ya mboka na so raison pour laquelle toko senga ba obazali ko kamba ba institution ba ko kamba ba moi ba pension moi parcelle à pouvoir moi pour moi mwanda mbo ya pouvoir yeba ko gérer malamo pour que on y a tabande côté mais kasi opesa bande ko chance pour que ba ko kapé ko zoa ba bénéficier pe na grâce wana le to na pour sa mboka na biso développer mais mboka na biso ko développer ndenge ni aussi longtemps que ba valeur ezali ko si la témo na mboka lelo oyo fond destiné na bande ko ya ba sinistré ya basan kusu $500,000 décaissé et bimi et que na faveur ya bande ko mbongo et komi na destination te $500,000 elimwe mo na mboka tolo banini. D'abord, je pense Naloba Ango au cours d'une émission ici que l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Que j'estime qu'il y a une union sacrée avec Nasala Basal Bezon Nanga, union sacrée et couvrir Nanon. Bisolide peste au Bundara pour la valeur. Si cette information s'avérait vraie et qu'il y aurait détournement, il y a fonds qui destinés à la sinistrer, en tout cas, ce ministre doit répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Ministre des Affaires Sociales. Oui. Moi, Namboka Mutinga. Si réellement ces fonds ont été détournés par lui, les ministres, moi, je pense que nos magistrats, nos cours et tribunaux, c'était bon, une enquête. Si cela s'avérait vrai, il doit répondre de ses actes. Parce que l'IDPS, Tobundaki, pour défendre les valeurs, nous avons combattu tous ces régimes à cause de l'Ibilokouana, il y a un détournement. Mais du moins, toujours CP là, avec l'IDPS, le détournement, ils ont su y avoir tamaté. C'est ça le problème. Il y a des problèmes à avancer. Mais avec les régimes précédents en Bokanabiso, il y a des collègues en coulisses, il y a des collègues banatés. Les lois avec l'IDPS, malversations financières, détournement, corruption, ils ont les cassés la place publique, peuple a joué baké, moutouté la détourné mbongo. Mais Oto Senga, est-ce que toujours wanaté la dénonciation? Il faut que la justice fasse son travail et que les coupables, ils la traquer, ils répondre de leurs actes. Ce qui, les ministres, Mutinga, ou azo piloté ministère wana y affaires sociales, aza impliqué dans détournement wana. En tout cas, moi je pense que la justice nabiso et ça la Moussa na yango, que le procureur général asa la Moussa na ye a mené ba enquête, si s'avère ba kangaye sa la prison à cause à détournement, parce que nous ne pouvons pas cautionner ba bêtise wana auto konana ki yango hier et continuer encore dans ba régime nabiso, bien que le peuple congolais na lo bango toujours Congolais déjà aden na eza pourri. Yango moni, ezaki un système ou ezaki ancré na aden na Congolais de tournement. Ce qui bati au ministre, bati au mandataire, et le kalibosou ba kesalete za la kawapi, na ba kobuka kesaleta. Mais avec Félix Tshisekedi, tozo condamné biloko wana et puis tozo sanctionné yango. Yango tozo senga na justice na biso. Procureur général de la République a s'imprégner na dossier wana s'il faut. Kokanga, qu'on mène d'abord enquête, qu'on établir ma responsabilité, que le coupable soit sanctionné conformément aux lois de la République. Parce que nous ne pouvons pas comprendre les chefs de l'État, Azobeta c'était sur la bonne gouvernance, Azobeta c'était toujours que Mboka est élément. Comment ces pays peuvent se développer, ce qui va détournement où ils ont continué jusqu'à ce moment. Parce que le développement d'un État est aussi sur la bonne gouvernance. Alors, lorsque le chef a passé impulsion sur la bonne gouvernance, Tomoni Yango, Yako Tchaba, Brasse Kilié, IGF, Cour de compte, Awa, mais toujours Mona, beaucoup de gens, beaucoup de limités, Bazako s'illustrait toujours dans le cas où on a détournement. Moi, je pense que les sanctions doivent être sévères pour mettre fin dans le système Oezaki ancré dans l'Aden Congolais. Voilà, Nabandi était, est-ce que Zali Lelo Oyo Koko Mamoumé Sanoté, président Marcel était.
Baebi les lobes politiciens ont mis sur Baebi que IGF est allé, Baebi que ceux qui t'ont ibimbo ont été dans la traquée, t'ont été en prison. Mais après prison, trop bien manabiso, bon ils ont gâté. Est-ce qu'ils ont comment mis mes annotés parce que les lobes te monique, bah tu vas au iba. Bakangi bango peut être dit qu'un tel bakangi est à détourner à côté prison. Maintenant à côté prison, bon ils ont zongé un trésor public. Après prison, abîmé bani au sol la jouissance dans bon on a et yango zali au sol a pas signé le mot en boka. Non, parmi les sanctions ils a prévu un accord de pénal nabiso, ils a pu qu'on restitue bon au yo ibaki. Mais jusqu'à présent, batunyo sur bakangi bon ils ont zongé un tel mot en boka. Non, peut-être vous a mal informé. Je pense que tu as été informé. Kamere bakanga rabilo on a eu. Caméra, Babylon, ils ont été saisis, ils ont été caméra. Je pense que parce que la justice communique moins. On a un déficit communicationnel, les salaires qui n'ont pas place à l'informer. C'est parmi les sanctions qui ont prévu un accord pénal, et que Moutou sera détourné à l'État, ce qui, Katelio peine, parmi les sanctions, il faut aussi restituer les biens de l'État au Ibaki. Au cas contraire, ce que vous avez cité, il faut saisir Babylon. Moi, je pense que ça, ça fait partie aussi, il y a des sanctions, ils ont prévu dans le code pénal de l'abysso. Mais quand il y a Moutinga, si cela s'avérait vrai, je pense qu'il il faut restituer Mongouane à sinistré. Au cas contraire, il faut saisir Babien Aye, oh, je suis à côté Kayango, il y a vente aux jacets. Tant qu'il y a vente aux enchères, ils ont bien saisi. Là va contribuer les Congolais au bas de tourner qui m'ont eu mboka va saisir va bien va côté kayango va zimbongo wana va zong son na compte à l'État. Moi je pense que justice à Salamoussa n'a pour mettre fin na ba KO détruire ba détournement na ba institution mboka na biso. Voilà les bande quoi ba sans kusu bazali kolela parce que mongo e pourra servir bango na ba situation bazali ko traverser les loyo mongo ezali détourné les loyo lissu bande quoi ya kale o no se ba viva qui ba situation kati ya Bukavu lelo oyo kalamingite fond na bango pe kozala deke c'est pour que emeka un peu ko consoler bango alors ceux qui déjà fond ya basankusu ezali détourné tokoloba nini pona ba sinistre mususu bazali kozela peut-être na elika ete chef de l'état ameka otsa loboko na poche pour que ameka un peu ko aider bango alors ba mongo wana est-ce que okoma na destination mona mboka c'est ça la crainte yango moni to interpeller qui le premier ministre mona mboka nani Sama Lukonde. Il doit faire son travail. Parce que comme si Azosa Moussa est comme il s'est doité. C'est lui qui est le patron, le numéro 1 à gouvernement, c'est lui Sama Lukonde. Lorsque ordonné Mbongo Ebima na finance publique, Mbongo Anez Ali décaissé quelque part. Mais il te faut le suivi. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un niveau dans le en tant que le numéro 1 à gouvernement, à ça qui a suivi Mbongo Ebimi? C'est ça le problème. Il faudra mettre des équipes. Oui, c'est là qu'a suivi à Fonwana avant que l'IGF aille. Mais tant que vous êtes Premier ministre, vous ordonnez que Mbongo Ebima, le ministère de la Finance, le ministère de la Finance a ordonné la banque Ebima Sambong. Mais il faut que vous suivi à Mbongo Ebima, la chaîne et la dépense. Oui, que Mbongo Ebima qui est autant, est-ce que Mbongo Ebima est comme la destination et Sali Moussa Nango, oui ou non. C'est ça le problème. Ce n'est pas au chef de l'État. Le chef n'est pas un magicien. Il y a des collaborateurs à mettre en place. À tous les niveaux, à tous les échelons, que chacun fasse son travail comme il se doit. Et c'est le problème. Et on a entendu autrefois que Batoubazo est des chefs de l'État, surtout ses collaborateurs, dans le niveau ministre, dans le niveau de cabinet, bon, ça, Moussa, comme il se doit. Parce que tant que vous avez la responsabilité avec le Premier ministre, vous devez l'exercer conformément à la loi. Vous comprenez? Dans Mbongo Ebimi, vous avez ordonné que Mbongo Ebima, la chaîne à dépenses, Mbongo Ebimi, mais le suivi maintenant. Chef Premier ministre, chef exécutif ya gouvernement oyo alobaka te communication te na ebite ba ministre bazali ko sala ba bavure bazali ko sala manenge na ndenge mais sanction moko administrative ezalite est-ce que le loto ko espérer tout cas li peut-être dans 5 mois pour que mandat ya chef de l'état ici là le lo oyo population ezali toujours ko déclarer social na yango le lo population ezali toujours ko regretter parce que to ebite le lo oyo programme ya 145 territoires to comme ou puis le programme il y a 145 territoires mon ambo. Non, le programme il y a 145 territoires et c'est la mala mutomoni ba territoire ebele ba otonga ba pito ba otonga ba centre commerciaux en tout cas toujours féliciter le gouvernement congolais. Na otek ko ebisa awa biloko mi balé et détruire mboka na biso. Ils ali suivi na sanction exemplaire. Ceux qui biloko na mi balé ba tchango en exergue au komona ke biloko o ekosina na mboka na biso parce que les congolais ce système là ils ont ancré dans l'ADN congolais. C'est ça le problème. Tshisekedi en souffre, en paye les prix.
parce que l'homme congolais, et moi-même Kabila l'a dit que non, je n'ai pas réussi à changer homme congolais. Parce que le congolais, la première réflexe à congolais, c'est qu'il y a place, et ça nous a été là, na kesi, écoute, rendez-vous nini, et puis rendez-vous nini. C'est ça le problème. Et là, c'est ok, les congolais, bah, on a sans sa responsabilité. C'est ça le problème. Parce qu'il est responsable. Même ailleurs, ceux qui ont nommé tout ministre et mandataire, la première des choses est que nous avons la moussala communautaire, nous avons été. Il faut nous aller redevable, nous avons la moussala. Mais pas comme les alakate. Ceux qui ont réflexe à l'iboso, il faut détourner mbongo, nous avons un immeuble, nous avons un château, nous avons un libanda. Mais à Rossala, nous avons aussi longtemps, ceux qui ont de tout monde ordonnance et bimi, la RTNC va publier ordonnance. Réflexe à l'ido, et l'on a l'iboso et ça, les magana moutou, oyo, bah, pessi, moussala, pessi, mitindo, et zalaganini, abanino, kosala feti. Est-ce que Azali qu'on se tenir compte de la responsabilité on va pécier toi Azali qu'on se tenir compte d'abord na temps on va pécier ya osakala na mbongo ya mboka yango na lobaka dans toutes mes émissions l'inconscience collective yango de bomimboka oyo les dirigeants la plupart sont des inconscients comment un inconscient peut bien faire les choses tant à se confondre poche na ye na la chose publique. Deuxièmement, les dirigeants que nous sommes. Congolais a yébité que non, né nazali, mais il faut nous foutre un impôt pour nous faire tout le monde. Mais il est le premier, il y a quoi acquiser les dirigeants. Babon Wissanzela, oh, mais si vous tournez, vous foutez un impôt, vous foutez un raté. Na Roka Mouissayo, na Congo Mobimba, il n'y a que 144 000 qui vont foutre un impôt dans le Congo. Vous imaginez un peu ça? Comment le pays sera construit? On a autre ça, l'inconscience collective. De détruire Mboka Oyo. Mukolo Oyo, ce qui nous dirige les lots, va pécher au poste à responsabilité, ou reprendre conscience que Nazali redevable, na batou, ou va pécher Ngaï na Kamba, que Ngaï, n'est pas la différence, il y a choses publiques, ou Zali bien communautaire, na poche na Ngaï, jour où on a Mboka Oyo, et que soit élu à développement. Lorsque les dirigeants que nous sommes, tu comprendre que non, et le on a ça, il y a un autre président, Mboka na biso s'est développé. Na auteur ko ebisa awa que le développement d'un état, ce n'est pas c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des dirigeants et l'affaire des dirigés. Ceux qui dirigent, azo comprendre té, il faut d'abord ka foulu awa té na caniveau et ko bloquer et ko boucher ba caniveau, c'est ça l'inconscience. Tant on comprendre yango, oye ba kété, ah na boka foulu, té sur na boka foulu na ba caniveau et ko kanga ba collecter à mai, lobi ceux qui moule beti et ko créer inondation. Lorsque les dirigeants ba pécho poste à responsabilité, ministre mandataire, ou ebi ke mbongo ya mosolo ya l'État, ils appellent aussi la moussala l'État, na confondre na poche d'angate, yeba ke débit à développement mboka na biso. Tshisekedi en souffre parce que beaucoup de Congolais sont des inconscients. Au niveau ya ba dirigeant, ba pécho ba poste à responsabilité, a ebi ko sala part des choses ici. Réflexe à l'iboso à komiwana, mandataire, ministre, ne yende ko piller, ne yende ko saigner trésor public. Na tonga ba immeuble, na tonga ba building. C'est ça le problème. Ya on a autoré bisa yo et le kaliboso mboka peut se développer, il y a changement mentalité. C'est la première des choses. Les changements mentalité ils gage ya développement ya Congo. Tant que les Congolais changement mentalité salamité mboka eux a difficile et se développer. Tout au monde yango la bonne volonté que le chef de l'État a latissi pour aider les pays bima qui trahissent. Qui trahissent ces pays sont toujours des Congolais, en connivence avec les étrangers, au profit de leurs intérêts. En limite, trahir Moka, à Zumbo, on a tient la poche pour trahir le Congo. Tomoni, ni Michel Strakino Awa, des Congolais, n'a pas poste à responsabilité. Ba pécho DGM, ba pécho ANR, mais vous acceptez, il y a qu'on a un million, au trahir le Congo pour minerer Bima et qu'il y a un pays ennemi qui est le Rwanda. C'est ça le problème. Tu sais qu'il en paye les prix seulement. Malgré la bonne volonté à Zanayango, il y a quoi de Mboko et Téléma. Mais les Congolais, ils sont Moko. Nous sommes des premiers inconscients. Et on a autant dit ça, on a développé Tezouana, il y a une conscience collective. Ce qui Mboka Oyo, pour prendre conscience, c'était, mon cher ami, même si Jésus-Christ venait ici comme président, Mboko est développé. Voilà, Mboko est développé. Ils allaient souhaiter les Congolais, ils allaient comment Mboka est développé. Et puis, ils allaient combattre Costa Mboko dans le cadre du trésor public. Ils allaient sur moi poste au débat. Ils allaient placer au yo pour se réjouir pour qu'on soit la jouissance. Ils allaient côté le Melayango. 500 000, il y a des sinistres, il y a 100 coussouets. Ils allaient un message, ils allaient lancer. IGF, Gilles Linguette, 500 000.
000 dollars ya ba sinistré ya ba sans kusu ezonga emonana esika ekeyi ezonga emonana benda batino suma toyi ezala na ministère ya affaires sociales ezala na ba fonds ya fonds social benda bango matoyi 500 000 dollars emonana parce que ba sinistré ba sans kusu bazali na mbongo ba na besoin ya mbongo wana parce que mbongo ebimaki en faveur na bango na population nso ezali na ba ko vivre lero na ba conditions difficiles na ba sans kusu toyi na posa ya mbongo wana mona mboka totali lo lenge kani lero oyo ba mbororo ba se met trouble na est ya mboka na biso bazali ko kanga babi ba bien ya population ba vache bazo kende ba biloko ebele ya ba population lelo ba mboro basali mama na trouble population ekimi bongo ekatisi bongo na ngambo ya Goma basundoli ba village pe ba bien na bango situation ya est ya mboka na biso jusqu'à quand toko espérer kimia tozali question na tuna ka yango a chaque fois parce que à chaque fois toli ko mona moi retrait muki à chaque fois moi journée moko ya kimia le lendemain des autres. Est-ce que est un mot cannabis est toujours théâtre il y a agression il y a massacre mon amboka. Je pense situation est wana ils a vraiment très préoccupante ils ont préoccupé même les chefs d'État au plus haut niveau. Je pense babilo retourner cela mon est wana je crois n'a répondu à un au cours d'une émission n'a dit ça qui yo que tout mais qu'un peu qu'on réfléchir les Mbororo sont des Soudanais n'est-ce pas. Ba kimi mboka na bango ba oluka bango parce que bazalaki ba opposé à ba régime na bango aujourd'hui ba raid de Tabala sont des opposants burundais aujourd'hui ba Ngomino ba uti Rwanda aujourd'hui ba raid de Tabala ba uti Burundi mais comment expliquer pays d'accueil ya bibino bo semer terreur bo comprendre que non il y a toujours des mains noires derrière tous ces mouvements qui opèrent dans notre pays c'est ça les occidentaux. L'objectif c'était quoi? De créer la terreur dans la population est, dans le territoire na bango, afin que ba déverser les Rwandais, qui sont les Nilotiques. C'est ça le calcul. Parce que semer l'insécurité dans la partie est et en bas de Bissouana. Il y a un peu de Kinshasa. Et ça, plan, ils ont bien préparé déjà, ça l'a déjà à dessein pour paralyser le Congo. Insécurité, quota. Après la publication des résultats, l'un des opposants, l'Oba Yango, a créé insécurité sur toute l'étendue du Congo. C'est ça l'objectif. À l'Oba Yango, c'est là qui complot. Oba Pesaki Bango par ces mafias internationaux. Vous comprendrez que non, tout ce que le Congo vit, la partie est et naïe, c'est là qui prémédité par les Occidentaux. C'est-à-dire l'objectif, c'est qu'il y a qu'on balkaniser le Congo. Parce que lorsque, depuis la guerre et banditi Lilo, il y a plus de moins 5 millions de déplacés. Alors, ces 5 millions de déplacés, bah, ça déversé où? Bah, ça maintenant wapi? Bah, tiki, bah, l'île bango d'habitation naturelle. Maintenant, bah, nani o bazo remplacer ka bango, na ba place au bazo tika. N'est-ce pas les Rwandais? Je vous dis que Tshisekedi a hérité situation Oyo, Oyo bien préparé par les Occidentaux. Semer le chaos dans le Congo. Lorsque Tshisekedi a zoboya, Kosala Oyo plan na bango, Oyo bosenga na bango, la conséquence est maintenant, il faut pas créer une sécurité dans la partie est en Mboka na biso. Parce que les Mbororo, ça m'étonne, sont des Soudanais. Comment est-ce que bazoa coopérer na katia mabele ya Congo? Batiki Mboka na bango, c'est un paradoxe. Ba raid de Tabala sont des Burundais. Bazaba opposant au régime burundais. Mais comment est-ce que Bazaba opéré dans le Congo? Les Ngomino sont des opposants rwandais. Comment est-ce que Bazaba opéré dans le Congo? Bazaba ko semer terreur la population congolaise dans la partie est en Mboka na biso. Il le faut à dessein avec la bénédiction des occidentaux. Oh, Bazaba derrière Bango, Bazaba financer Bango. Yebisanga tous ces mouvements rebelles. Bakota na Mboka, oh, les Mbororo de Tabala. Bazaba inactif parce que Bazaba désarmé. Mais nani a ravita kaya Bango? Nana fournissera Bango en armes. C'est ça la grande question. Pour mettre fin à la situation, première solution, d'abord, qu'on ait la MONUSCO dans la Mboka. Premier fournisseur, il y a un groupe armé, c'est la MONUSCO dans notre pays. C'est un secret de polichinelle. Dès que la MONUSCO, n'a pas eu à cause de la Mboka, tu connaîtras le théâtre et la sécurité dans la Mboka. Parce que principal fournisseur, ravitailleur, il y a tous ces groupes armés qui opèrent dans la partie est, c'est la MONUSCO. Vous comprenez? Deuxième ravitailleur, c'est le Rwanda. Or, pendant que vous avez quatre ravitaillements, il faut d'abord que vous ayez la MONUSCO. Et que vous mettez en mal. Vous allez à court
y a des munitions en cours, il y a ravitaillement, bah au Kanga bango calmement. C'est ça le problème. Na peso exemple awa, Sassou Nguesso ayamba ba ex DCP pa na ye. Pourquoi ba créer ka terreur na kata ya Brazzaville? L'Angola et yamba ba ex Katangi. Pourquoi ba ex Katangi ba créer terreur na kata Luanda te? Pourquoi seulement biso auto yambi, to yambi ba to fongole ba frontière, ba imposa Mobutu na 94, afungola ba frontière te ba Rwanda. Sont les mêmes Rwandais qui nous posent problème les loups à Ratamboka. Les rêves de tabac là, tu es un peu bango awa, ba opposant Burundi. Les mêmes rêves de tabac là nous posent des problèmes. Nous devons réfléchir, les Congolais. Nous devons réfléchir. Il y a mon place Naibi Sarabino qui non, l'immaturité de l'homme politique congolais. La grande question c'est ça. Bazo mon insécurité dans la partie STT, ba mon akabe élection. C'est ça l'immaturité de l'opposant congolais. Bazo bon sanaki, moutou azo peso lichette. Au kata mouninga, l'obé au pèse mouninga, soit kata au pèse lichette. Et c'est le problème. Les lo au boson lima. Boson lima, complot wana. Bosa la porteur ya complot. Ba outo pèse à ba opposant, complot wana. Tu au moni ba se déplacer, ba outi ba outi ba province, ba e awa, ba e na un complot ba mindeli. Semer les désordres, semer les chaos, na kati ya capitale. C'est ça la mission. Oh ba confier bango. Ya moni ba zo kosa, ba marche, ba kosa ba sitting. Derrière tout cela, il y a un blanc bien préparé. On va pèse bango, baza va simple porter, il y a plein de mafias internationaux contre notre pays. C'est ça le problème. Vous allez au salaire de la communauté internationale. Tout le monde tweet, il y a Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a commis à Tindeli, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'objeté. Atik en opposition a manifesté tranquillement. Tomoni ministre et secrétaire d'État oyo azali bongo na ngambo ya Grande-Bretagne y est pas commis mêmement. Ambassadeur États-Unis awa na République démocratique du Congo a commis mêmement. Est-ce que lelo oyo communauté internationale bazali ko préparer quelque chose té na Simon Mokongo ya Félix Antoine Tshisekedi président? Mais bien sûr que oui, na auto ebisa o Tshisekedi a commis un témoin gênant. Il faut maintenant se débarrasser de lui. C'est ça la vérité. Parce que ces blancs ont compris que Tshisekedi a répondre à ma désidérata na bangote. C'est ça la vérité. Parce que Moutouo Félix a remplacé qui azalaki les miens offrants pour na Congo. A pesa ki bango tout na Congo. Mais Tshisekedi, étant nationaliste, étant patriote, congolais de père et de mère, il a refusé de trahir son pays. C'est ça, c'est ma victime. Tous ses opposants, baza porteur, il y a un plan. Pourquoi ces Américains? Anthony Blinken, parce qu'il y a pression dans Kagame. Est-ce que Kagame va opposer à Baloba? Kagame est Kanga, une opposante. Ah ouais, moi aussi, à traquer dans ma condition, à incarcérer dans la prison. L'Amérique va être mou. C'est ça le problème. Ça, c'est se moquer des Congolais. Parce qu'il y a encore d'autres Congolais naïfs qui vont répondre à ma besoin de Bango, les soi-disant opposants. Comprends? Pendant que Tshisekedi est en Mboka, il a eu le pouvoir 4 ans en marche. Il a mis combien de Congolais en marche? Il a mis combien de Congolais en marche? Mais, ils ont mis Mboka, il a tweet, il a mis un demandant à cette opposition. Laquelle opposition? Il a mis un plan. Il a semé chaos, il a mis Mboka. Nous ne sommes pas des dupes. Les Congolais ne sont plus naïfs pour accepter ce genre de bêtises. Na Congo Brazzaville, awa. Sassou Nguesso, Osoyoka opposant l'Oba na Congo Brazzaville. Pourquoi ces diplomates vont à Brazzaville? Pourquoi va interpeller Sassou Té? Tout le monde na Cameroun, le président camerounais, a celui plus de 45 ans au pouvoir. Osoyoka va l'Oba contrer. Pourquoi seulement au Congo? Nous devons comprendre ça. Parce que Tshisekedi a mis à nu leur complot. C'est ça leur canda. Mais moi maintenant, il y a que l'on laisse sur les voies des armes salités. Bakanisi, en sémant les chaos, bah l'on la Tshisekedi. Bakanisi qui dit bosso. Sauf que sur les voies électorales, peuple congolais l'ingi Tshisekedi, bah l'on laye. Bah se rendre compte que, bango moko, par rapport à bah sondage, bah sali de trop, bah comprendre que Tshisekedi, bah toujours premier. Bah comprendre que, sauf que dans l'élection, mouto to l'on laye. Mais il faut semer les chaos. Y a un pessi bango, bah ça porter y a un complot. Tous ces soi-disant opposants, de semer le chaos. Yoyokati Awa, ba milice à Mobondo, ba cita quelques opposants. Toye biyango, papa. Ces plans sont déjà connus par tout Congolais. Que ces soi-disant opposants, ba za porter, y a un plan
pour semer le chaos dans la ville à Kinshasa. Parce qu'il va comprendre que, dans le niveau de l'Est, le plan est simulé. Il a déstabilisé le Congo pour que une grande ville comme Goma, pour que ça se dit, pas si va contraindre Andima plan à renégocier avec les M23. Mais tellement que Tshisekedi comprendra ces jeux, à contourner le plan Wana. Et on dit toutes les stratégies, oh, ils ont voué l'échec parce que Dieu est avec les Congolais. Dieu est avec Félix Tshisekedi. Et on a plan avant tout, ils ont échoué. Même tous ses opposants, ils ont mis plan Wana. L'Église catholique a mis plan Wana. Ils ont mis la base à plan Wana. Ils ont créé insécurité, ils ont créé chaos dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, ils ont aussi battu. Voilà, tout le monde est bon, Bandeko, il y a CRD, parti ya mon amboka Christophe Mboso dali président ya l'Assemblée nationale lelo pe bango pe basale ki marche na bango batamboli bango marche na bango bazali kosenga départ ya cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce que ezali quand même na teneur kati na République démocratique du Congo? Mais ils sont libres aux cardinal pour na Congo, n'est-ce pas? Mais tant qu'un cardinal qui est censé sanguissa tous les peuples congolais, parce que l'église doit être au milieu du village, mais l'église catholique est au coin du village, c'est ça le problème. Azo prendre position pour l'opposition, c'est ça le danger. Les cardinal ou azo ça la sonne que les cambons n'ont beaucoup à zate, mais ma prise de position à l'église catholique et banago à la banago accompagner opposition les notes et moi n'en boucle et accompagner une messe. L'église catholique à salaba ba marche après ma messe ou une messe à la négo côte à peu participer à chaque 8h dimanche. Bon, à combien à mon amboka Joseph Kabila noté les accompagner plutôt opposition les notes mon amboka. L'église catholique n'a autre émission doit être au milieu du village. L'église catholique a dit il faut défendre cause ou exagister, n'est-ce pas? Avec Kabila, il y avait beaucoup de choses qu'on a reproché dans le gouvernement. Il y a Kabila, dans le régime à Kabila. Contrairement au régime Oyo, aujourd'hui, il y a eu des avancées. C'est ça que je veux dire. Avec Kabila, tout le monde a dit comment l'opposition est misélée. Mais avec Tshisekedi, l'opposition est libre. Avec Kabila, tout le monde a dit la liberté d'opinion est dans le monde. Mais avec Tshisekedi, des alliés, il y a quand même des avancées. Pourquoi ne pas encourager le régime? Il y a aussi encore plus, mais aussi combattre Yango. Le problème est qu'ils ont accompagné l'opposition. Le problème est que l'Église catholique a été brassée qu'il y a des Européens pour balkaniser ce Congo. C'est ça la vérité. On a vu ce cardinal. Toi, on a désert mandat. À quel dans une province, il a crié donc la balkanisation est à la porte à Congo. Mensonge. On a vu ce cardinal à travers une messe. Naomeli Naye, on a prêché parole de Dieu, mais il prêche les chefs de l'État. Ma promesse Kibino, il y a des promesses de trop. Voilà, bon voter, bon voter. Est-ce que c'est un discours d'un clergé? Tout ça, moi je condamne le gouvernement congolais. Bon, pèse à l'Église catholique beaucoup d'accès. Na Congo Brazzaville, ça soit met à Kangsa ba mounou quoi. Il y a encore l'Église catholique na Brazzaville Louba. Et l'on va rater. On y a une église qui a tout dit d'Angolais l'on va. Pourquoi seulement au Congo? Parce que les Blancs ont compris, dans l'autre côté, awa. Pour nous mener la côte à Nandaku, Mouyibi, ou Bendoki, il faut faire la connivence dans le monde à Katandaku. C'est comme ça avec les Blancs. Tshisekedi l'avait dit. Alors, nous devons être unis pour nous permettre Mouna côte à Nambo Kanabisoti. Même les Rwanda, pas côte à Congo, ils se servent de certains Congolais naïfs. Même ces Blancs. C'est là que je suis soi-disant opposant, je suis soi-disant église. Et moi, j'ai dit, l'église catholique n'a pas de monopole dans ces pays. Vous comprenez? Nous avons plusieurs confessions religieuses. Et puis, le Congo, c'est un État laïque. Ils n'ont pas ces monopoles-là. Il y a encore un mamba politique. Dans le bas, au cours d'une émission, avec tout le respect que nous devons au cardinal, s'il veut faire la politique, allons la soutane. Ce qui est l'autre, c'est réservé. Pour couper ses respects, wana, parce qu'il est cardinal. Mais il peut être droité. Il y a n'importe quoi. Il y a ça n'importe quoi. Le Congo, c'est un État laïque. Vous comprenez? L'autre monnaie, c'est ce cardinal-là. Akena Kingakati, pour porter soutien, na batu o, on va bien médiocre lobby. Ce que je dis, Sangai, batu o, yo, lobby, au traité médiocre. Le lobby, il va comme malam, il va comme sain. Pour porter votre soutien,
à ces gens que tu avais décriés au babomati ba catholique. Tu sais que dit-il lelo abou mettre catholique mon côté. Akangi clergé mon côté. Mais le régime passé, on a vu comment basango avec leur soutan, ba betama, ba kangama, chose au régime au essayer d'annoter. En quoi maintenant il reproche quoi à ce régime? Ils ont monté mamabi. N'aibisa qui au peu importe la volonté. Y a Tshisekedi, cardinal Yambonga Kolinga Tshisekedi de pour la nini. Parce qu'à zone répondre n'a pas désiré à mettre n'aibé européenneté. C'est ça la vérité. On a vu ici pour faire le choix de Kadima. Yé qui est censé dîner. Est-ce qu'une église catholique? Baloubabazat est une église catholique. Mais il a fustigé choix y a Kadima par rapport à appartenance naïe tribal. C'est grave. Abi Moulouba te, comme un chef de l'État, Salim Moulouba, ou un cardinal. Mais c'est grave. D'abord, c'est un tribal, ce monsieur-là. Il est tribal, ce cardinal-là. Nous avons remis ça au cours d'une émission ici. Pourquoi seulement sur les quatre cardinaux, les cardinaux, trois, on a tendance à toujours y a battu à Équateur. J'ai mis les cardinaux, on ne peut pas faire ça là-bas. C'est ça le problème. Nous avons remis ça au cours. Le mal à Congo, c'est l'église catholique. Avec Mosengo. Mosengo a accompagné Mobutu. La troisième fois avec Kengo. Tout cela, il y a une histoire. L'église catholique, non? Alors, lelo, l'église catholique, a encore ça, ba naïf, na ba inconscient. Pas nous autres ici. Toyebi tous ces géos à Zosala. Toko dénoncé en moment opportun. Vous comprenez? L'église catholique a affaire à l'IDPS. La vieille méthode de Néhé Biango. Comment va opérer à cette église-là? Vous comprenez? Ils sont à la merci de leur maître, les Européens, parce qu'ils vont avoir financement. Kuna. Bah, tout n'a sur les questions au cours d'une interview. Mon besoin qui financement et où t'as qui ouap? Il a balbutié. Il a une réponse européenne. Ça. Bah, smartphone besoin de Biangou. Il a balbutié. C'est pour vous dire que ce sont des traîtres parce que leur candidat Fayoul avait échoué aux élections. Et c'est la vérité. Mais il y a un Katoumi comme candidat. A quoi échoué les sous-sous. S'il pense qu'il va refaire, il va relever sa Katoumi président. Il va remettre ça. Congolais a sous-député. A sous-député. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ces clergés-là, ils allaient à booster, ils allaient candidat européen. Tout est bien. Et puis, tout mettre bango, tout mettre complot en mal. Parce que je vais m'avertir en Bokao. Voilà, je vais dire que tout le monde a dit que le Congo est un peu plus grand. Il a dit que le Congo est un peu Congo est un peu plus grand. Le Congo est un peu plus grand. Le président Marcel Caméra est un peu plus grand. Il a dit que le Congo est un peu plus grand. Je interpelle toujours la jeunesse congolaise dans l'ensemble et Kinoa en particulier. Tout ce qui se fait dans ces pays, boye bayango, ezo ou talibanda, insécurité dans la partie est, les tueries de trop, ce sont les occidentaux. Bazana besoin ba déposséder biso na mabele ou nzamba pesa biso. Voilà pourquoi on a interpellé la jeunesse congolaise. Parce que dit-on, la jeunesse est un avenir y a lobby. Parce que beaucoup de politiciens, les soi-disant opposants, que vous vous laissez manipuler, baza déjà à la merci à l'occidentaux. Bazui bambongo, le lobo moni, marche salami. Il n'y a aucun mort. N'a qu'à ça va marcher. Mais il y a un américain, ba déclaration va au sal. Il y a un occidentaux, ba déclaration va au sal. C'est pour vous dire que, ba yebi ke, leur carte a échoué. Ils ont voulu infiltrer. Ba tout n'a qu'à ça va marcher, ba semer trouble, ba semer chaos. Et résumant nos services, ba ça qui est vigilant, ba déjouer plan wana. Maintenant, tant que simité, baliba mekasu ba keneba Congo, baliba mekasu ba ya a na ba sitting, tu ebisi peuple congolais, bolanda ba tuana te, ba lingi binote, so baliga ki bino, ni li par basi ba marcha contre Kagame na mboka o, ni li par basi ba kondana Kagame et Rwanda na agression ba sa la Congo, mais bazo marcher pour ba vicher pendant que bangonde ba dirigeant mboka o pendant 18 ans. Bazala ba ministre, bazala ba premier ministre, bazala ba gouverneur, bazala ka nini pour na mboka oyo pendant mandat na bango pour ebaki bola na ba aventurier wana te. Tout ce monde là à l'opposition, ba dirigeant mboka ona Kabila,
bilan à Kabila, il y a qu'on détruit Mboka Oyo, Nabango va faire partie. Les Katumbi, les Matata, les Délices et Sanga et les autres. Bah, tout le monde va faire ça. Bah, dirigeant qui lobby, bah, pèse la cabine au Nini, bah, c'est la cabine au Nini à Malam. Il y a un autre qui est un peu comme ça. Il y a un autre qui est un peu comme chef de l'État. Il a ces soucis-là. Il y a un tombe, surtout jeunesse, pour monier pendant ce quinquennat, et eux aussi là, comment à promouvoir jeunesse. Naba mandataire, naba ministre, parce que ça a souci wana ya peuple. Na mboka oyo, tout ce qui est là pour mon ministre ya 30 ans. Et c'est le cas pendant j'ai ma vie. Y a ba Baati Lukwebu, y a ba professeur Nemi, et c'est le cas qui est là pendant j'ai ma vie. L'autre c'est que d'ailleurs, alinga promouvoir la jeunesse. To pesa ye maboko. A senga ki biso, tango a sola ki naba jeune na kata paye du peuple, bo postile e belé, toko vote ba jeune. Toi éliminer classe politique oh ils a pourri il y a ma ventilier oh bah ça sera toujours à l'écoute c'est ma dicta il y a ma mindeli voilà pourquoi et c'est là qu'il y a bino mon amboka le sénateur Marcel na pesi bah bonnet na biso ya Congo live mais ça on a biso mbote partout voilà na biso na pesi na nous mbote sunda parti à Paris na pesi master nga Bruno Nzala parti à Paris mbote na pesi petit nga Dietanga ma parti à Paris mbote petit nga Christian na kata Astana bambote na bino yango wana. Mon numéro c'est le plus 243-81-52-99-123. Plus 243-81-52-99-123. Tout le monde aille à la prochaine. Bye bye. Voilà, tout le monde a dit que vous avez 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 dit